Hey, salut, bienvenue à toi sur la chaîne. Attends, je vais le faire la Sky Rose. Ça marche apparemment. Hey, salut, c'est Kiss 4. Aujourd'hui, on va faire les maps sur Rainbow Six. Franchement, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like. Aujourd'hui, on va voir si quelle est la meilleure des maps sur Rainbow Six. Donc, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Il parle comme ça, non? Remember it. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on est sur la tier list des maps qui sera discutée, votée. On essaye d'élire la meilleure des maps possibles de Rainbow Six. Es-tu d'accord avec ça? C'est extrêmement important. On attend ton avis dans les commentaires. Toi, Jean-Claude 44, dis-nous quel est ton avis. C'est extrêmement important que tu mettes ton avis, que tu lâches un like et aussi que tu t'abonnes. Parce que regarde à combien on est. On est à 149 000. Ok, 149 000, c'est pas génial. 150 000, c'est tout rond, 150 000. Donc abonne-toi, dépêche-toi. En avant. Bon alors. Alors les amis, on va commencer avec Chalet. Ok. Chalet, vous en pensez quoi? Hein? Chalet, c'est S, bien sûr. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes tellement... On est en phase aujourd'hui. On est en phase. Ensuite, banque, attention. On n'est plus sur Chalet, c'est fini. Banque, c'est parti dans 3, 2, 1. Parce que si tu continues d'appuyer sur A ou B comme un... Ça va prendre banque, ok? Concentrez-vous, soyez pas con. B comme banque. Ok, c'est parti. 3, 2, 1, go. Ok, on part sur un B, sur banque. C'est pas mal, banque, ça se joue pas trop mal et tout. Le serveur, ça pue un peu du cul. Elle a été rework, mais le rework, il est pas si exceptionnel que ça. Ça n'empêche que c'est une grande map, mais le main me fait chier, moi. Mais c'est pas une map difficile à comprendre. Ça peut pas être en C, ça peut pas être en D. J'ai pas envie de la mettre en S non plus. Elle est soit en B, soit en A. Vous avez décidé B, je la mets en B. Ok, derrière, border. Dépêchez-vous. Allez, 30 secondes pour votre... Voilà. Vous avez décidé de mettre B pour border. B comme border, B comme banque. Vous êtes des petits marrants. Clubhouse. Le T1, c'est de la merde quand même, tu vois, sur Clubhouse. C'est caca. Elle peut pas être élue. Meilleure map, quoi. Elle est pas mal. Ça va pas être un C ou un D. Let's go, finish Paul. Ça part en A. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Littoral. En avant. J'aime bien jouer Lito, mais j'aime pas du tout. Le Hookah me casse les couilles. Il manque une pièce, quoi. Faudrait couvrir la sortie de Hookah. C'est D, je veux rien savoir. Ah oui, il y a des gens, ils aiment pas Coastline, quoi. Mais la France aime Coastline, les mecs. Vous avez décidé de mettre du S, mais ça, c'est parce que vous êtes débiles. Coastline, ça part en B. Ah, parce que j'ai décidé, ok. 49-3, j'en ai rien à foutre. Start Paul, on coupera au montage, manière. Sur YouTube, on dira, ah, bravo, félicitations. Bravo, avec des petits applaudissements. C'est comme si vous étiez smart. Non. Consulat, ça peut pas être en S, les mecs. Elle est même plus compétitive. Ça peut pas être la meilleure map du jeu. Bah, Consulat, moi, j'aime bien. C'est ma map préférée. Donc, je vais pas être très objectif dessus. Hein. Vous avez décidé de mettre C pour Consulat. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ok, suivant, vite. Favela. Pour le moment, on est vraiment, vraiment en phase. Tout la vie en A. D, pourquoi? Pour Favela? Moi, j'aime bien Favela. Je la mets en C, moi, Favela. À quoi sert le vote? À faire croire que t'as un peu de pouvoir, ok? Fortress. Pff, c'est au Maroc. On va se respecter deux minutes, quand même, ok? Hein? Ok? Bon. Maroc qualifié. Oh putain, c'est vrai. Ils vont nous faire chier pendant des années. Imagine, la Maroc gagne la Coupe du Monde. Ce serait ouf, quand même. Respecte le Maroc! Faut que j'y aille au Maroc, putain, les mecs. Ça part en quoi? En D, hein? Fortress? Bah putain, la vache. Franchement, moi j'aime bien Fortress. Elle était cool comme map. Elle était pas si dégueulasse que ça. Mais bon, ok. Airford. Allez, dépêchez-vous là. Soyez attentifs. Ok, D. Vous avez raison. C'est de la merde. House, les amis. Vous avez 10 secondes. Allez là. Dépêchez-vous. Vous savez pas, c'est ça? Ok, super. House en A. On en est là. Ok, pour le côté emblématique, pourquoi pas, je peux comprendre, côté nostalgique, tout ça. Café, t'as mis consulat en A, ok, je mets consulat en C, vas-y, c'est bon, je plaisantais, vous avez mis C, je mets C, ok, c'est bon. En A, café, ouais, ça va. Canal, je la mettrais pas en D, moi, en fait, j'aime bien la jouer, moi. Je sais pas pourquoi, mais elle me fait pas chier, en fait. Parce que c'est une map pas prise de tête, quoi. T'es pas obligé de droner pendant 107 ans avec 1840 pièces pour pouvoir rentrer à un endroit, quoi. Elle est simple. C'est pour ça que les gens l'aiment bien, au final. Les gens, ils ont plus envie de se prendre la tête. Donc, elle va pas être en D. Je pense qu'elle va être en C, tu vois. Ouais, c'est ça me paraît normal. En avant, Oregon. Voilà. Vous voyez, ça, c'est parce que vous êtes des pigeons. Parce que vous savez pas pourquoi vous mettez Oregon. Parce que vous êtes un peu con, je pense, au final. Et vous vous dites, oh, elle est bien, Oregon et tout, je veux rien savoir. C'est juste parce que c'est la première que vous avez apprise. C'est devenu la Dust 2 de Rainbow Six. Voilà. Et donc, vous suivez comme ça. Et derrière, comme une espèce d'avalanche de cons, et ben, voilà. Vous vous auto-alimentez. Tu vois?
Franchement, Chalet propose plus de choses qu'Oregon quand même, mais bon. Outback, dit-il, il met maison en A. J'ai pas mis maison en A. Vous avez mis maison en A, ok? Tu te calmes. D'ailleurs, t'es au courant que Dust 2 ne sera plus joué en compète, hein? Ouais, j'ai vu. Outback, vous mettez en B, hein? Vas-y, je la mets pas à côté d'une coastline Outback. Là, je la mets avec Canal, quoi. Why not? Mais jamais elle touche le B, elle. Oh, je m'en bats les couilles. Non, oh, c'est bon, elle est mangeur de kangourou, là. Non. Plain. Je sais pas. Peut-être que c'est la meilleure map sur console, tu vois. C'est la seule map qu'ils connaissent. Je pense. Vous voyez, j'essaie de me mettre à votre place, tu vois. J'essaie d'être sympa. B pour se chauffer. Vous avez des goûts de merde. Vas-y. Ok. D pour Plain. C'est vous qui choisissez. Soyez content de votre caca. Skyscraper. C'est les maps qui sont plus méta. Donc dur à dire. Tu as raison. Tu as tellement raison. Chacune de tes interventions dans ce chat illumine Twitch. Merci, Kiwid. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? B pour Skyscraper. Ok. Theme Park, 3, 2, 1. Vous mettez C parce que vous êtes nul à chier dans le jeu. Je pense que si on était dans des Elo un peu supérieurs, je pense que vous metteriez Villa en B ou en A. Mais comme vous avez un aim de Labrador, vous le mettez en C parce que vous êtes perdu sur la map. Voilà, c'est tout. Tower, c'est D. Vas-y, j'ai même pas envie. Elle est à L, c'est 49-3. Elle est en E toute seule. D'accord? Villa, elle a pas du tout fun. Theme Park, elle est pas fun. C'est toi qui est pas fun, mec. C'est un parc d'attractions. Comment veux-tu que ça soit moins fun? Moi, ça me fait rigoler, d'accord? Tu avances et il y a des screamers et des trucs qui te sautent à la gueule. C'est extrêmement drôle. Villa S, c'est obligé que je le mettrai pas en S. Par principe, je mets pas des Italiens en S. C'est impossible. Pas depuis 2006. J'ai un PTSD par rapport à ça. Et la map Manoir 6-4. Manoir. Oui. Manoir. Mm-hmm. Elle a été enlevée le même jour que Usine. C'est thème avant le rework Manoir. C'est quoi Manoir 5. Ça ira. Thème avant, c'était un manoir avec des trucs d'horreur partout, tu te rappelles pas? Si, avec le train au milieu. Mais elle s'appelait comment? Attends, Theme Park s'appelait pas Theme Park avant Theme Park? Il parle pas de l'event d'Halloween, Lewis? Si, je pense. Il parle de Dr. Curse. Mais non, mais avant Theme Park, il y avait la première Theme Park avant son rework. Elle était bien sombre. Vous avez décidé de mettre le bateau en D. Ok, c'est vous les patrons. La map de TDM, c'est hallucinant. Tous ceux qui mettent à l'heure actuelle en dessous de A pour cette map, c'est que vous avez été traumatisé par cette map. Mais c'est que vous avez été traumatisé par le mode TDM. Et la vérité, c'est parce que vous puez la merde. Là, en 2 secondes, je viens de vous faire un truc de ouf. Je vous ai mindfuck. C'était un test, c'était un piège. Les 16 personnes qui ont voté C et D sur TDM, c'est sûr et certain, vous êtes nul à chier en aim. J'en suis intimement convaincu. MVP à chaque TDM. Pouena. Arrête, on parle de vrai TDM, ok? Tu insinues qu'on a des goûts de merde? Bien sûr, j'insinue que vous avez des goûts de merde. Je suis le seul ici à avoir des bons goûts. Ah, je suis désolé, mais ça, bon, là, du coup, on fait un moite-moite hein, avec vous, quoi. Ça part en B. Hein. Mais j'ai envie de la mettre en A. Allez, je la mets en A. Vous savez quoi? Je la mets en S. Parce que c'est moi le patron. Pour le TDM, c'est la meilleure map de TDM. C'est tout. Tu peux pas mettre Chalet et Oregon avec cette map. Hein. Quoi? Chalet et Oregon avec cette map? Vas-y, t'as raison. T'as touché la corde sensible. Ok. T'as touché la corde sensible. Let's go voter là pour Emerald, les gars. Plains. 3, 2, 1. Finish poll. Vous avez mis B pour Emerald. Ok, ça me va. Allez, pas si mal. Stadium, tu nous fais ta tier list. Oh, c'est ça, hein. Franchement, moi, je suis... Hey. On est connectés, hein. Ah, je suis absolument d'accord avec vous. Vous êtes la meilleure communauté que je n'ai jamais vue toute ma vie. Même avec ma mère, je suis pas autant connecté. Vous avez raison sur toute la ligne. Reprenez des subs maintenant. Hein? Voilà. Stadium. Ah ouais, ok, j'aime bien. Et enfin, Night Haven Lab. Eh, si vous l'avez pas joué, ne parlez pas, ok? Kat, écoute le peuple. Toujours, j'écoute toujours le peuple. Vous êtes tellement intelligent. B pour Emerald? Ok. Oh là là là, j'aurais mis B moi aussi. Merci infiniment. Merci à toutes les personnes. N'hésitez pas à nous dire, surtout dans le chat, dans le truc. N'oubliez pas à nous dire dans les commentaires de la vidéo si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Vraiment, on y a passé énormément de temps. On a vraiment discuté entre nous pour savoir quelles étaient les meilleures maps, et en particulier la meilleure map de Rainbow Six. Donc les deux meilleures maps sont Chalet et Oregon. Et puis les pires maps, eh ben, elles sont en bas. Hein. Donnez-nous votre avis. Likez la vidéo. C'est extrêmement important de liker les vidéos et de soutenir le monteur qui fait ça et qui est au Crous de toute façon. Voilà, et qui est au Resto du Cœur à l'heure actuelle. Merci, abonne-toi.